Hola, c'est Tita et bienvenue pour l'épisode 3 de The Witness en Let's Play. Aventure suivie sur Play 4. Je tenais juste à vous dire que j'ai eu un bug d'enregistrement. J'ai continué un petit peu l'aventure, mais vraiment pas longtemps. J'ai essayé donc d'ouvrir le petit papyrus dans l'espèce de bunker là. Mais ça ne marchait pas du tout. Ensuite, je me suis rendu à la montagne de la mort au pylône. Je voulais voir si je pouvais faire quelque chose au niveau du pylône, justement. Rien non plus. Du coup, je me suis un petit peu baladé. Je suis parti ici. Il y a des petits marécages, mais il n'y a pas grand-chose. Et j'ai pu apercevoir un gros bateau rouge. Justement, nous voici. Eh bien, au-dessus des marécages, et j'avais pas remarqué ça au-dessus de ma gueule. Donc le bateau écrasé juste là, c'est magnifique, n'empêche, c'est bien fait. Et dans cet épisode, j'aimerais bien explorer donc cette carcasse de bateau et aussi ces petites îles suspendues là. On dirait un peu la planète des Ewoks en plus coloré. Encore un pylône. Je peux pas y accéder. À mon avis, il faut terminer le château fort pour pouvoir donc accéder au bateau. Et là, il veut pas non plus. Je vais tenter de faire le tour. Là, il y a un escalier qui descend. Je sais pas si je peux réussir à le choper. Je vais voir ça de suite. Non, il n'y a rien. Il y a une échelle là, non? C'est pas une échelle. Mais comment je fais pour y accéder? J'aimerais bien y aller là. C'est magnifique en plus. Il veut pas, hein? Non, il veut pas. Ah! Pousse-toi à l'arbre. Y a pas un escalier ou un ascenseur là? Ça, non, il veut rien me dire celui-là de panneau. En faisant le tour par là peut-être? Non. Attendez, attendez, attendez. Je regarde, hein. L'escalier, non. Comment on fait pour y accéder? D'accord. Ça mène à cette petite île aussi, perdue. On peut pas y accéder, j'ai l'impression. Ou peut-être par bateau. Faut vérifier. En attendant, je vais me promener un petit peu. Je vais essayer de trouver un lieu que j'ai pas fait encore. Taratata, j'irai bien au. Ici, justement. Ça a l'air d'être pas mal. Bon, j'avais commencé déjà, je l'avais fait un petit peu ici. Bon voilà, c'est pas grand-chose. J'avais pas tellement compris le système. Enfin, oui et non. Et ensuite, voilà, c'est comme vous pouvez voir, c'est les espèces d'étangs multicolores qu'on avait vus dans l'épisode 2. Voilà, je m'étais arrêté ici. Et je ne sais pas. Non, lui, il veut pas prendre. Lui, il veut bien. Non, ils veulent pas. Toi, tu veux obliger. Et si je passe comme ça, je sais pas. Non, il veut pas. Comme ça, il veut toujours pas. Ah, attendez, non, il veut pas. Et si je fais comme ça,
Bon. Non. Ok, ouais, mais non, mais là. Attendez. Ça fait 3 et tac. Ah, peut-être que je tente, hein. Ah, mais voilà, ça y est. J'ai compris. Donc il veut les. Donc les 4 ici. Mais à partir d'ici, il veut les 2. Ah non. Si je passe comme ça, que je fais comme ça. Hop. Non. Et comme ça. Non, toujours pas. Tu m'embêtes. Ah, lui, il veut bien, par contre. Si je fais ça. Ok, j'ai pas compris. Non, toujours pas. Non, plus. Non plus. Je comprends pas. Est-ce que le carré veut bien? Non, il veut pas le carré. C'est bizarre. Non plus. Non, je vais tenter de faire le même que l'autre. Bah, il veut bien. Et là, est-ce qu'il veut comme ça? Non. Alors là, je comprends rien. Du tout. Bah. Dites-moi si vous comprenez quelque chose là, parce que moi, je pige rien du tout. Ça fait ah, tac, tac. Hop, hop. Peut-être comme ça. Non, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Bon, je n'ai pas réussi à résoudre cette énigme et ça m'embête fortement. Il y a toi aussi là. Toi, ton fil part d'où? Je vais tenter de te résoudre, toi. Tiens. Hop, hop, hop. 3. Tac, tac. Est-ce que c'est la logique ou pas? Non. Lui, il aime pas. Non, ils aiment pas ça. Il m'en faut juste 3. Est-ce qu'il faut que je te. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je fais tout le tour, on sait jamais, hein. Bon, ils veulent pas. À l'envers? Non, du tout. Faut que je les prenne dedans, c'est ça? Hop, là on est d'accord. Là peut-être un peu moins. Et là, je crois qu'on est d'accord. Ouais, il n'y a que celui-ci qui m'embête un peu là. Ah, attendez. En faisant ça, peut-être. Je teste. Non, il veut pas. En partant comme ça. Est-ce que je les teste? Ça me rend dingue. Pourquoi? 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 Bon, j'ai pas encore la solution ici non plus.
Je vais voir. Là, je suis d'accord. Ok. C'est un peu les fondamentaux aussi de ces énigmes-là, mais je comprends. Je comprends pas. Ah, attendez. Ah, ben voilà. Mais je suis bête, oui. Voilà. Le carré et les deux. Mais alors celui-là. Attendez. 1, 2, 3. Normalement j'ai les 6 là. Eh ouais mais non mais... M'embête. Il m'embête. Je vais tenter comme ça, je ne sais pas ce que ça peut donner. Tu veux vraiment pas, hein? Tu veux vraiment pas. Et comme ça. Non plus. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je sais pas. Je tente. Pourquoi pas? Donc toi, tu veux obliger ça. Là, on est d'accord. Le problème, celui qui m'embête, c'est celui du milieu. Parce que comment faire pour... Je tente. J'y reviendrai. J'ai bien l'intention de finir ça là. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Si on continuait par là, tiens. En bas de la montagne. Très jolie grotte. Une grotte avec une fontaine. Je crois que je suis déjà passé ici. Et c'est à la montagne de la mort, justement. Ah, ben tiens, je voulais, moi qui voulais vérifier au niveau de ce que je disais à l'épisode 2, j'avais trouvé j'ai vu un nuage avec une forme particulière. Il me semblait que ça faisait un petit chemin, en fait. Donc ça, normalement, je l'ai fait à 100%. On voit le petit bunker ici que je n'ai pas réussi à faire. Ça, normalement, j'ai terminé à 100%. Et je me dirigerai bien vers la grotte, vers le désert là-bas. Oh, mais regardez. Je me disais bien, bon moi les je voyais quelque chose dans les nuages là-bas, mais c'est plus ici. Et il veut pas. Allez, cale-toi bien. Voilà, là t'es bien calé là. Pourquoi tu veux pas? Il faut se caler quelque part, je sais pas où. Là je suis bien là. Ah voilà. Allez. Ah, le nuage, il me bloque. Ok. Bon, faudrait que je me rappelle en bas de la montagne de la mort que il y a cette énigme au niveau des nuages. Donc la question qui se pose, c'est comment rendre ce nuage tout beau. Bon, la villa rouge toujours pas terminée. Tiens, si je me rendais en dessous de ce nuage, il m'a l'air assez proche. En plus, c'est dans la même direction que le désert. Et bien justement, nous voici dans le désert et juste au-dessus de nous, le nuage tout gris. Là, il y a un puits.
J'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans. Ah, une boîte jaune, à mon avis, c'est peut-être le la tourelle avec le faisceau lumineux. Ouais, on dirait la tête de l'île de Pâques. Attendez, qu'est-ce que c'est là? Il veut bien là? Ça fait quoi? Tu vas où? Où est-ce que tu m'emmènes là? Attends, attends, attends. Ah! Ce fameux pylône. Ça m'a activé quoi? Ça m'a activé ça, d'accord. Mais je vais essayer d'activer l'autre côté. Peut-être de là, ça veut? Non. Ok. Ok. Bon, ben je vais tenter. Est-ce que tu veux bien? Non. C'est au niveau du soleil. Voilà. Pourquoi tu t'es bloqué là? Tu veux pas? Là non plus. Bon, j'ai au moins réussi ça. Je viens peut-être fou. Si je fais ça. Non, il veut pas. Ah mais non, en plus il veut qu'au milieu. Je comprends pas. Je vais aller voir petite statue. Rien de caché ici, non? C'est magnifique en tout cas. Ok. Ok. Ah ah. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est juste des ruines. Ah mais non, il était là l'arbre que je disais sur la carte en fait. Oh. Ça a l'air de faire quelque chose avec le soleil. Allez, on éclaire tout ça. Ça a pas voulu. Pourquoi tu veux pas? Ah voilà, là tu veux bien. Et ça part au niveau de du pylône? Ouais. Je vois que ça a pris. On ira voir ça tout à l'heure. D'abord, j'aimerais bien un petit peu explorer les falaises. Tiens, ouais. Un panneau. Hop là, qu'est-ce que c'est? Tonton. Faut prendre tous les points. À mon avis, c'est pas ça, mais bon. Vu qu'il y avait tous les points noirs à prendre avant. Eh non, il veut pas. Alors, par où je pars? Par là, tiens. Il n'y a rien de caché ici. Ah ah. D'accord, j'active un panneau, je ne sais pas qu'est-ce que ça me donne. Oh. Ça veut rien faire. Et même au niveau de là, non. Attendez.
crois que je tiens quelque chose là. Non, il veut pas. Alors, c'est peut-être mon esprit qui devient de plus en plus fou, mais je vois des lignes de partout. C'est soit ça, soit le créateur du jeu, c'est un putain de génie. Il a dû mettre énormément de temps à créer tout ça. Et les pylônes électriques, là, je sais pas quoi ça donne, l'espèce de d'hôtel extraterrestre. Oh. My God. How does it happen in this poor old world that thou art so great and to everybody and nobody knows thy name? Men flee from thee and say they cannot find thee. They turn their backs and say they cannot see thee. They stop their ears and say they cannot hear thee. Hans Denk, circa 1520. Ok. Bon, une voix de femme qui parlait des hommes qui ne regardent. Enfin, j'ai rien compris d'ailleurs. On dirait qu'elle parlait d'un dieu ou d'un mec assez étranger, je sais pas. Bref. Allez, un petit tour de bateau. On accélère la cadence. Attendez. Je viens de trouver le moyen d'accéder aux petites îles dans les arbres là. C'est nickel. Parfait. C'est parfait. Je vérifie un peu. Je fais un peu le tour. Bon, il n'y a rien par là. Donc on va de suite ici. Les deux soleils. Tu veux quoi? Non. J'ai pas compris, mais si tu veux. C'est joli en tout cas. Cet arbre, ça me fait penser au sol cogneur dans Harry Potter d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être un petit clin d'œil, hein. Qui sait? Ou alors c'est moi qui. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord. Faut les toucher, faut faire quoi? Attends, mais il y a une solution là. Il y a une solution là, c'est pas possible. Je comprends pas ce système de soleil là. Ça veut dire quoi, système de soleil? Bah, j'ai rien compris là. J'ai réussi l'énigme, je n'ai rien compris. Bon, essayons, hein. Il faut juste les deux ensemble, c'est tout. Toi, tu vas m'embêter.
Bon, lui, donc c'est impossible de... Si je fais ça. D'accord. Ok. Ah, d'accord, il faut pas qu'il soit dans le cercle du tout, c'est ça, non? Non, je sais pas. Non plus. Pas si vous voulez. Ok, je comprends rien, mais j'avance. Les deux là-bas, ils veulent bien. Faut pas les toucher, faut faire quoi? De sûr, faut passer comme ça. Non, on va passer comme ça alors. Non. Non plus. Un zigzag, faut faire quoi là? J'ai pas compris. 1, 2, 3, 4. Je comprends rien du tout. Alors, donnez-moi la solution, s'il vous plaît, parce que... Non, il veut pas. Si vous pouvez me dire à quoi ça correspond, je vais tenter un truc. Non, ils veulent pas, hein. Ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Je compte les au niveau des pics. Ouais, ça. Ouais, non, c'est pareil. Peut-être que. Attendez. 1, 2, 3, 4. Je regarde un petit peu avant. 1, 2, 3, 4. Eh non, ça marche pas. 1, 2, 3. C'est quoi le principe de ce truc-là? Faut les séparer, faut faire quoi? Je n'ai pas compris. Donc ça veut dire que si je pars comme ça, et comme ça. Ça marche. Tentons, hein. On va refaire la même. Ils veulent pas. Je vais tenter ce truc là. Ah voilà. Bon. Il faut que je les mette dedans. C'est ça que tu veux? Non, ils veulent pas. Faut les séparer en 4. Faut faire quoi là? Non. Assez bien. C'est ça, il faut les séparer donc. Il en faut deux de chaque côté. Voilà les amis, c'est ici que je vous quitte à l'épreuve des petits soleils qu'il fallait séparer un nombre pair du coup. Et ensuite, on ira explorer les petites cabanes dans les bois en hauteur. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me ferait très plaisir. Allez, ciao, ciao!